essayer de prier. Et voilà, je suis avec Madame Nadia. Il n'y a pas que deux universités, il y a aussi deux centres de formation. Madame Nadia, bonjour. Bonjour, merci, merci beaucoup. En fait, la joie, elle est partagée. Pouvez-vous nous parler de votre centre de formation? Merci. Avant tout, il faut préciser que nous sommes un cabinet de conseil et de formation. On travaille surtout sur tout ce qui est formation organisationnelle des entreprises, des ministères. Et on accompagne en fait les cadres des entreprises et des ministères et des institutions donc, à avoir plus de compétences professionnelles pour gérer leur carrière en fait. Voilà, Madame Nadia a essayé de nous expliquer ce qu'elle faisait, les impressions par rapport à la journée. Ben, vous savez, parfois les risques ou bien les inconvénients peuvent devenir des opportunités. Et je pense que le Congo, c'est un marché à vraiment très fort potentiel. Il faut y croire. Il faut travailler surtout dans la remontée des compétences des gens et des professionnels surtout pour vraiment construire un pays d'avenir pour les générations futures. Merci beaucoup Madame Nadia. Merci à vous. Ok, merci. Voilà, chers téléspectateurs, amis vacanciers, vous avez suivi Madame Nadia.